Alors, Fabienne Bucciot, je suis donc depuis le 15 avril dernier préfète de ce département, de la région Nouvelle-Aquitaine et de la zone de défense sud-ouest. C'est mon sixième poste de préfète. Avant, j'étais déjà préfète de région en Normandie, puis avant, j'ai été préfète dans plusieurs départements. C'est la première fois, effectivement, je ne connais pas très bien la région sud-ouest. Je suis originaire du sud-est, des Hautes-Alpes, par ma famille. C'est la première fois que je viens à Arcachon. Je découvre et j'avais vraiment beaucoup d'envie de découvrir Arcachon. Je découvre aussi la région sud-ouest. Je suis donc vraiment heureuse d'arriver dans cette région. Je mesure la responsabilité qui est la mienne. Et là, actuellement, je suis dans une phase où je rencontre les élus, je viens voir aussi mes services, comme aujourd'hui à Arcachon, et je prends connaissance des dossiers, grâce aussi à toute l'équipe de l'État qui est autour de moi. Dès les PLU, je trouve qu'il y a un travail important qui a été fait par le sous-préfet et par mon prédécesseur. Je suis dans la continuité de ce travail, puisqu'un certain nombre de décisions sont allées en justice et ont été confirmées par l'autorité judiciaire. Donc, je pense que ma porte est ouverte, qu'il faut discuter avec les élus, je les rencontrerai d'ailleurs, et puis qu'il faut qu'on trouve un chemin ensemble dans le respect des textes. Et je viens d'ailleurs de signer le plan particulier de protection des risques de submersion marine pour les 10 communes d'Arcachon. C'est quelque chose d'important pour la population, pour les élus, et il faut donc construire des documents d'urbanisme en conformité avec les textes, et c'est ce à quoi nous allons, j'espère, avec eux, nous employer. J'avoue que je suis un peu surprise que ce sujet ait fait polémique, parce que c'est un sujet qui, pour l'instant, est on ne peut plus classique. Une entreprise dépose un plan d'épandage, donc elle a apporté un dossier, elle vient d'apporter un dossier à la préfecture, donc ça n'a même pas encore commencé. Le dossier n'est pas encore réputé complet, on est en train d'examiner toutes les pièces qui sont au dossier, on est encore susceptible peut-être de demander des compléments. À un moment donné, on dira le dossier complet, et là se déroulera toute la procédure d'instruction du dossier avec les avis des maires, une enquête publique. Donc il y aura plusieurs semaines, plusieurs mois d'examen de ce dossier. Donc vraiment, il n'y a pas de sujet particulier à ce stade. Au bout, il y aura une décision que j'aurai à prendre au vu des avis et techniques et aussi des élus que j'aurai eus sur le dossier. Mais pour l'instant, c'est un dossier classique. Il est déposé et on se doit de l'instruire.